Et voilà parti donc pour cette épreuve avec Pierre de Bondeau qui pour le rallye Picavent d'Nivernais semble avoir pris l'avantage avec le rallye Chapeau qui est là également en 3e ou 4e position avec l'équipage des Gouttes qui vient également. On est là donc avec aux avant-postes le numéro 5 Flika qui a pris l'avantage pour franchir cette diagonale. Alors qu'on est là également avec Gerfaud Artel, avec Gentle Mag, l'ancien cheval de course qui est là également et qui va tenter de venir actuellement. Les concurrents qui vont maintenant franchir une nouvelle difficulté, pas de changement notable en tête actuellement. Avec qui réellement est Gaëtan Hurstel qui est venu prendre l'avantage alors qu'on vient avec Georges avec Flika qui n'est pas loin du tout et qui va tenter de venir progresser juste devant. Eh bien, la casaque et le Gentle Mag qui est là également, les concurrents qui sont maintenant eh bien, derrière les bois. Pas de changement, un nouveau contre-haut, nouvelle difficulté. Vous voyez qu'on va, l'expression aller au galop de chasse prend tout son sens. Avec, librement en tête l'As qui est en tête, c'est Gentle Mac qui a pris maintenant l'avantage. Le 5, Flika qui est là, devant Edgehog, et le 2, Gerfaud Artel qui patiente pour l'instant à l'arrière-garde. Et on est là également avec le numéro 4 qui poursuit son parcours. C'est Edgehog qui, si je ne m'abuse, avait été cheval de course sous la Gazac Mania. Les concurrents vont aborder une nouvelle difficulté et se diriger vers les pistes extérieures avec toujours Gentle Mag qui a l'avantage alors qu'on vient bien calé dans son dos avec d'évidentes ressources, avec Flika, avec Kira Loin qui n'est pas loin du tout et on patiente toujours avec le numéro 2, Gerfaud Artel. Les concurrents qui sont maintenant, bien on pourrait dire à the top of the hill, en haut de la colline donc avec toujours les mêmes aux avant-postes, c'est-à-dire maintenant eh bien, le numéro 3 qui ira loin, qui va tenter de revenir prendre l'avantage avec Flika qui est là, juste devant Gentle Mag qui également laisse passer l'orage actuellement avec en dernière position toujours Gerfaud Artel et Pierre de Bondeau pour leur rallye Picavent d'Nivernais. Les concurrents sont sur la boucle extérieure dans quelques instants, ils abordent la descente de cette dernière et vont revenir vers le centre de la piste. Et on a semble-t-il accéléré l'allure actuellement avec le numéro 3 qui ira loin qui semble avoir pris l'avantage avec également Gentle Mag, Flika qui est là, Gerfaud Artel qui patiente toujours. Les concurrents qui ont lâché la tête et qui vont revenir vers le centre de la piste dans quelques instants avec semble-t-il Gerfaud Artel qui se rapproche librement actuellement. Les concurrents ont franchi le mur et vont se diriger vers une nouvelle difficulté d'ici quelques instants en reprenant la diagonale avec toujours gaillardement en tête le numéro 3 Gentle Mag qui maintenant a librement l'avantage. Le numéro 5 vient en seconde position, c'est Flika et on note que son cavalier a fait l'effort de monter avec sa trompe de chasse qui est particulièrement difficile, notamment en course. Et puis on est là également avec Kir à loin ou encore fermant la marche avec Gerfaud Artel et Rallye Picavent d'Nivernais. On a dérobé avec le numéro 3 Kir à loin qui vient de dérober. Les concurrents sont dans la phase finale maintenant, ils accélèrent, ils lâchent la tête avec deux concurrents, avec le numéro 5 qui vient de mieux en mieux. Le 5 c'est Flika, là c'est Gentle Mag. Le 5 Flika va s'imposer juste devant Gentle Mag qui procède le numéro 2.